Comme vous le voyez, je roule sans conduire et je n'ai pas de chauffeur. Bienvenue dans le Cybercar, un véhicule électrique entièrement automatisé. Il est développé par l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. Les ingénieurs ont conçu ce Cybercar pour que la manipulation soit aussi simple que les boutons d'un ascenseur. C'est un écran, vous affichez votre destination et ensuite vous vous laissez aller. La voiture intelligente fait le reste. C'est le véhicule idéal, complémentaire des transports de masse, accessible pour les fauteuils roulants, pour les personnes fatiguées ou tout simplement pour les gens qui rentrent d'une fête bien arrosée. Ce Cybercar est un concentré d'intelligence. 4 faisceaux laser qui balayent sans arrêt pour reconnaître la trajectoire et des antennes, un système d'antennes. Ici, on a une antenne Wi-Fi et puis une antenne GPS. Ensuite, nous avons ici une caméra embarquée. Cette caméra est capable de reconnaître la signalétique sur la route. Vous voyez, un passant a été analysé par le rayon laser. Ça a bloqué instantanément le véhicule qui va repartir une fois que la voie est libre. Une fois arrivé à destination, il n'y a plus qu'à débarquer. On laisse le véhicule, soit avec des nouveaux clients, soit il va partir tout seul, aller se recharger sur la prochaine borne. Il a 40 km d'autonomie, bientôt 100, et c'est vraiment le véhicule de partage par excellence.